Hey. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur SCP Containment Breach. Alors je sais, j'ai reçu un nombre incalculable de messages privés pour m'annoncer qu'il était sorti la nouvelle version 06. Et j'ai préféré un peu attendre, genre la 06.1, et maintenant il y a la 06.2, donc j'ai bien fait d'attendre. Et donc j'ai laissé la séquence d'intro parce qu'apparemment elle a été un peu refaite ou je sais pas trop quoi. Apparemment on peut s'accroupir maintenant. Et il y a des nouveaux SCP méchants qui nous poursuivent ou je sais pas trop quoi. Alors j'espère qu'on va chier dans notre froc. Ouais, on a fini de charger, c'est parti. C'est putain de long. Chargement est... Bah attendez, putain mais c'est vachement lumineux. Oh, c'est genre je vais aller faire l'expérience et tout. Oh, comme c'est bien foutu. Oh regardez, je suis D9341. Qu'est-ce que... Putain. Je suis dans mon froc, quoi. J'ai cru que c'était déjà le SCP, le 106 ou 273. Je sais même plus les numéros. 173. Excusez-moi, je veux faire des choses stupides. Ok, on va jouer le jeu, hein. Ouais, genre, on nous accompagne pour aller nettoyer la salle et tout. Pousse-toi. Oh, ils sont un peu rigides, hein. Ils ont pas beaucoup d'ombre. Mais c'est vachement lumineux quand même. Pourtant, il me semble pas avoir désactivé des options graphiques ni rien. Putain, mais lui, il me suit d'un peu trop près. Recule. Tu me fais peur. Ah, c'est là. Putain, il y a une espèce de musique toute calme et tout. Au piano. Oh, genre, c'est déjà ouvert. Bon, bah, je suppose qu'on est reparti. Oh mon dieu, mais ils ont un visage! Regardez-moi ce pauvre bonhomme. Oh, je le coince, il peut pas rentrer dans la salle. Tu ne rentres pas. Oh. Apparemment, le modèle du... Il a été refait. J'ai l'impression qu'il est un peu plus volumineux. Le visage est un peu plus détaillé, j'ai l'impression. Eh oui, je sais que la porte est bloquée. Depuis le temps qu'il le dit. Je suppose que là c'est toujours pareil qu'avant. Hop, c'est reparti. Donc j'espère que... On va vite tomber sur les nouvelles salles. Hein. Donc apparemment, je peux me mettre accroupi. Ouais. On va prendre les piles comme d'hab. Ça, on est déjà au courant. Oh, mais je rêve ou... Moi, je crois que ma tête, elle penche un peu quand je marche. C'est le view bobbing. Je trouve ça un peu insupportable. Bon, je vais faire avec. Putain, c'est quoi cette pièce? Pourquoi il y a une porte par là? On peut pas l'ouvrir? Ah, attendez. Mettre mon masque, on va faire ça bien correctement. J'ai pas envie de crever au bout de 10 secondes de jeu. Regardez, en plus, c'est déjà ouvert, là. Allez, le revoilà, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. On va faire une petite sauvegarde, hein. C'est quoi, attendez. Comment on sauvegarde? Ah, je veux pas la console, je veux sauvegarder. C'est bon, F5. Oh merde, j'ai ouvert le truc. Putain, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. En plus, j'ai l'impression qu'il est passé derrière la porte, quoi. Donc je pense que j'étais mort dans tous les cas. Ah, le vieux coup de je double-clique dans l'inventaire pour mettre le masque, et en fait, ça faut appuyer qu'une seule fois, et le deuxième coup, du coup, ça appuie sur le bouton. Ah là là, je vous jure. Ah! Putain, mais c'est pas possible! J'ai appuyé sur le bouton en pressant le... Oh là là, je vous jure. Voilà, c'est bon. Alors, je vais regarder complètement ailleurs du bouton, hein. Ouais, j'ai vu un espèce de nouveau SCP complètement... complètement fumé. C'est un mélange de... un genre de Slender à poil et la Witch de Left 4 Dead. Bah, il est où? Il est plus là. Il est parti.
Ok. Oh, c'est cool, on recharge la partie, il est plus là. Ah, voilà la triple intersection. La trinsection. N'est-ce pas? On va aller par là. Ok, c'est le machin qui permet d'améliorer les objets. Alors j'espère qu'on va vite tomber sur ce nouveau SCP, n'est-ce pas? Ah bah j'ai une carte là. Niveau 2, ça devrait pouvoir me laisser entrer dans l'autre truc. Laisse-moi entrer! C'est un ordre! Ouais! Bon, là je vais vous foutre une transition pour pas qu'on perde 20 minutes à changer les cartes. Wow! J'ai ramassé un first aid kit! J'ai une trousse de soin? Comment c'est possible? Genre, ça veut dire que. Mais ça veut peut-être dire qu'on ne meurt plus d'un coup? Qu'on peut peut-être se faire frapper un peu avant de crever? Tellement incroyable. Si ça se trouve, je peux peut-être même la mettre dans le truc. Bon, je vais déjà finir d'uploader cette. D'améliorer cette carte. Monsieur, pourquoi vous voulez pas? Ok, j'ai une carte. Omni. Donc normalement, c'est le top. Petite sauvegarde, je vais mettre le first aid kit. Pour voir ce que ça va donner. On va mettre juste sur Fine, hein. Docteur Fine! Wow! Rentre pas dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Un small first aid kit. Bon, on va sortir de cet endroit, F5. Ouais, oh, je vais sauvegarder avec mon first small aid kit, j'en ai rien à foutre. Sortons de cet endroit. Ok, alors attendez, on va fermer ça parce que j'aime pas les portes ouvertes. Voilà. J'ai dit que j'aimais pas les portes ouvertes. Chut. Voilà. On va aller par là. J'avais pas refermé derrière moi. C'est une honte. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait des nouveaux objets? Ah bah un navigateur. Oh putain. Faudrait que j'aille le P dans la. Dans la salle d'avant. J'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Tibidip, tibidip, tibidip. Ok. J'ai mon S9 Navigator Ultimate. Je sais pas si c'est le meilleur ou pas. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur. Bon, on va sauvegarder. Sortons de cet endroit. On va enfin pouvoir progresser un peu. Toi, tu te fermes. Ouais, c'est bon. Pas de panique. Voilà, c'est bon. Ouais! Petite sauvegarde. Quick. Voir qu'est-ce qu'elle est. Attendez, je cligne des yeux avant d'ouvrir la porte. Ah, c'est la salle où il y a le 173. Bah, il est pas là. Oh, sortons. Monsieur le 173, voulez-vous vous calmer s'il vous plaît? On va déposer une petite pile, savoir d'où on vient. Wow. Allons par là. Oh putain, j'aime pas cette pièce. Je déteste cette pièce même, pour dire. On va donc continuer tout droit. Oh, je déteste encore. C'est la même, je crois, en fait. Il y a l'autre qui s'excite de l'autre côté du mur là. Bon, on va sauvegarder là. J'ai même pas ce que je veux faire. Sauvegarde, ouais. Attendez, on va quand même passer cette pièce. Je suis curieux de voir ce qu'il y a derrière. Chez moi, il y a une porte qui s'est ouverte derrière moi. Haha, on a passé cette pièce. Allez, en avant. Oh non, mon dieu, j'aime pas tout ça. Oh, je vais être obligé de mettre une pile pour savoir d'où je viens. Pills?
Là, c'est ouvert. Oh, j'ai cligné des yeux, trop tard. Putain, c'est quoi cette pièce? Comment je peux ouvrir cette porte? Eh, c'est peut-être la pièce de la fin? C'est peut-être là la vraie sortie? Ah, je sais pas. J'en ai aucune idée, en fait, pour tout dire. Je viens d'où, jeune, là? On va voir si juste c'est quoi cette pièce-là. Pourquoi il y a un canard jaune, là? C'est RSCP? Le canard jaune qui tue! Oh putain de merde, il a disparu! Putain, il s'est téléporté! Mais il change d'inclinaison à chaque fois que je cligne des yeux! Quelle est cette sorcellerie? Bon, on va arrêter cet épisode-là dans cette pièce, hein, avec ce canard, si ça se trouve c'est un gentil, hein. F5. Voilà, donc rendez-vous à la main pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, et bah à plus.